Test. Test reçu. Test radio. Reçu. J'ai 65 € sur Steam. Test. Reçu. T'as pas un téléphone arabe par hasard? Ah non, désolé. Capitaine? Non, j'en ai pas. Et merde, bon bah direction Sofia. Allez, à plus. Ouais. Attends, on va y aller en palette, puisqu'il faut aller chercher les armes. J'ai pas pensé, je me suis endormi à poil. Ouais. Un spé, capitaine. Mais un spé a dû dans le repos. Vous allez bien? Oui, oui, vous.
Les autres, je sais pas, dans la pas tout de suite. Non, pas, pas tout de suite, on attend Romain. Oh, bah il est là, tu m'entends? Ah, bah oui, vous envoyez un message pour savoir si le, l'armurier est là. Moi, ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué, j'ai pas de téléphone. Ah oui, on va chercher le téléphone. Oui, pardon. Mais respect soldat, repos. Je vais le faire pour toi, t'as fait. Respect capitaine. Mais respect sergent, repos. Du coup, Romain, t'envoies un message, c'est ça? On va déjà aller chercher le téléphone. Merci. Ça. Puis après, il faut que j'envoie un message si j'ai. Petit Santa, il est dans la nuire. C'est comment qu'il s'appelle? Non, moi j'appelle Francis. Son prénom, c'est comment? C'est Lapin, moi que j'appelle. Respect, ou Lapin. Ou Lapin. Ah. Respect, soldat, repos. Là. Ah, mais c'est de... Mais respect, sergent. Ah, pardon. Respect, repos. Respect, adjudant. Comment ça se fait que t'as plus de téléphone? Eh, comme un con, je me suis endormi à poil. Ah ouais. Bon bah attends, on va aller à Sofia déjà de chercher ça. Mais on va y aller tous là. SP Mutuel, soldat. SP Mutuel. Au cas où. Il va tous, on récupérera les autres après. On a d'autres, parce qu'on est déjà, ouais, oh, on est déjà pas mal. Hein. Ça commence à être garni un peu le soir, là, au palette. On va se balader. Bon, déjà, on va chercher un téléphone et un GPS pour moi. Il y a une autre chose. On va essayer de la faire. Ah, j'ai pas de question. Salut, je vais aller voir chez moi. Voilà, je dois aller. Ah, bon, elle sera demain. Pourquoi? Parce que Benjamin a de la vie. Bah, machin, n'est pas là aujourd'hui. Ok. Je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui. Oui, on vient de me le dire. Bah, c'est Lapin qui aime le dire. Donc, j'ai quand même fait ramener un point de face à Lapin. Hein? J'ai bien ma. Bon, t'es pas de patrouille, je connais que deux. Je peux pas supprimer mon message, tu vois. De toute façon, dans tous les cas, faut qu'on aille à Kavala pour voter. Hein, alors... Sinon, on peut toujours essayer de passer, voir si ça me fait arriver. Ah non, il a la confirmation, tu l'as pas. J'ai pas disponible tout ça. Bah tiens, il y a Kyle. Alors là, c'est du palette quelque chose. Merci, Kevin. Vous aviez tous besoin d'un téléphone? Non, c'est que je sécure la zone.
On arrive, Neko, hein. Tu mets autant de temps pour acheter un téléphone? Je reviens en palette, je dois faire une pause mentale. C'est moi qui rêve ou les poincards qui sont moins... Moins vu, ouais. Ouais. Fais pas un bleu et un jaune net. Ça fait un jaune transparent. Ton bleu aussi, c'est drôle. Ah, ça va être chiant ça pour les dispatchs. Capitaine, vous pouvez voir le palette, faut que je fasse une pause mentale. C'est bon pour moi. Et toi à l'arrière. C'est bon pour moi. À l'arrière. Est-ce que Yohan sur cette pause mentale, lui? Mais démarrer un capitaine. Salut Duncan, comment tu vas? Alors, juste voir pour régler la fréquence radio. Ça va bien les bureaux de banque qu'ils ont. Ouais, normalement. Et comme par hasard, on m'a tapé ma bourse. Super. Oula. Ah bon. C'est de la montée de vol stat. C'est le mec qui a eu l'idée de mettre un lampadaire au plein milieu ici. Où ça? Là, on se voit pas le lampadaire. Parce que là, avant, on faisait les exercices. Oui, c'est non. L'idée de mettre qui un a lampadaire eu ici. Oui, surtout, il aurait pu faire des poses de parking. Donc. À part que les coutures. Les cons, on l'entend d'ici, quoi. Ouais, ben. Enfin, on entend ses voix dans la tête. Oui, on entend ses voix dans la tête. Un aspect sergent, repos. Ça va Neko? Ça va. Aspect sergent. Ça va. Repos. C'est pas du dent. Non, aspect sergent, repos. Merci. Bon bah ce soir, à part les voter, on n'a rien de prévu. Hein. Ouais, bah si la bourse monte pas au max pour la salle, enfin moi je peux pas. Les gars, si jamais vous êtes blessé, j'ai 20. Ça commence vraiment à me saouler qu'on me tape ma bourse là, c'est bon, c'est vrai. T'as encore le mercel que je t'ai donné hier? Bah tu m'as pris mon DMS donc. Bon, on a fait un échange. On a fait un échange.
bah on fait pas plusieurs patrouilles alors vu que. Hein? Ouais, bah ouais. Je disais, on fait pas plusieurs patrouilles vu que. Bah... C'est un hélico dans. De toute façon, quand on va aller voter, bah, faut aller avec le palette à Kavala, faut ranger le palette, faut prendre le sub, et tout en sachant qu'on doit déposer nos armes dans le sub pour aller voter. Ah, puis on y va, on a rien à faire là, de toute façon, de suite. Ouais, négatif, bah, c'est armes dans le dos. Pour voter, c'est armes dans le dos. Ah non, la première fois. Sécurité, c'est armes dans le dos. Ah ouais, ok. Bon bah écoutez, on peut aller sur Kavala, traîner un peu sur la place Kavala en attendant que les bureaux de vote ils ouvrent et puis... Moi je vais ranger ça là. Bon. Change ça, je suis là les gars. Attends, je te donne les clés Nico. Vas-y, vas-y. Ah bah. Oh. Waouh. Bah je croyais que t'avais rien à faire. Ouais, de toute façon, le temps qu'ils arrêtent, de toute façon, on a le temps. Je sais pas. Bah fallait pas faire la pub tout de suite alors. Ouais, bah. Bah au pire, si vous voulez, allez-y, au pire, je reste là. Et votez après. Ouais, parce que les bureaux de vote, ils ouvrent qu'à 21h, Nico. Allez-y, si vous voulez, hein, moi, t'inquiète pas, pas de soucis. Largement le temps que mes intérimaires travaillent. Bah sinon, ce qu'on peut faire, c'est que tu nous déposes, tu gardes le palette et tu reviens. Vas-y, si t'as des intérimaires qui arrivent. Parce que nous on va sortir des subs là-bas. Vas-y, ok, vas-y. Il manque qui là? Marcel, t'es où? J'arrive, j'arrive, j'étais en train de ranger mon véhicule. Ah, vous prenez pas la position. C'est vrai qu'avec Nico, vous n'avez pas la condition de vous mettre sur un copilote. Ah non, ok, il y a Marcel. Voilà. Bon. J'enlève mes cordes vocales parce que voilà, que mes voix sont pas super. Ouais, pas de soucis. Je me suis sur la France. Cessna jaune, tour de contrôle, Cessna jaune, tour de contrôle, reconnaît un fond d'intérêt, de déconner, pardon, piste de la tira, piste 22L. Devant vous, les ordres déconner, piste 22L à la tira. Le mec, il est chaud sur la France. Il revient en sub alors, capitaine. Non, bah au pire, soit Neko reviendra nous chercher, soit il nous rejoindra, on verra. Au pire, j'ai un deuxième palette. MH9 Hummingbird, de l'autorisation de décoller de l'aéroport à Tira. Ouais, de contrôler l'air, position accordée pour les deux demandes. Merci, j'ai reçu.
Ah, est-ce que ça va faire bon? Ça va, pourquoi ça fait bon? Ah, je regarde les voitures de police. Parce que souvent ici, il y a des policiers qui sont très... Ah oui, oui. Ah bah si on t'entend pas. Ah tu l'écoutes quand t'as mis la dérape. Ouais ouais. Qualité. Déjà réussir à couper tes cordes vocales, j'ai pas comment tu fais. Ah tu tranches la gorge. Comment tu tranches la gorge, tu te. Ouais. Je fais bon. Meurs. Ah, tu mets cordes vocales, hein, ça a piqué. C'est Jean Marie, bonsoir, ici Vega Security, je demande autorisation d'atterrir à l'aéroport de Kavala. C'est bien aussi, merci monsieur. Tu vas où là? Tu vas où là? L'aéroport. Ouais, tu fais ça de détour. Hein. Là c'était le temps qui répond. Calme-toi. Okay, calme-toi. Là, monsieur. Merci. Merci. Vous conduisez, capitaine? Oui, oui, oui. Attends, je donne les clés. Tu feras la distribution, Romain. Ah, si. Alors. Hop. Ah, les gars, c'est normal que nous, de l'autre côté, on fasse du monoholt, là? Ça, c'est fait exprès, regarde. Putain, mais tu peux pas te taire! Non, eh, c'était bien, on était synchro, hein? Ah, on était synchro de ouf, en plus! Bon, on va faire passer les quais. Oui, oui, Star Cam, c'est ouvert. Ah oui, bah c'est à eux que j'avais acheté, tu sais, les la Sting, là. Tu me demandais à qui que j'avais acheté une Sting. C'était après que t'as perdu en tombant dans le coma, ça? Ouais. Ah, c'était Julien qui me demandait, du coup. Yep. Ils sont posés à côté de l'ONU. Et, tu sais qui gère les ventes, Romain? Les ventes de quoi? Jean-Pierre Gordon. C'est lui qui gère les ventes. Les ventes de quoi? Les ventes d'armes à Stark Industries. T'as pas vu la pub? Ah non, j'ai pas regardé, ça m'a pas tout. Mais moi je trouve la meilleure pub qu'il y a eu, les gars, quand même, c'est celle pour le truc de télécom là. La meilleure pub? Ouais, non, mais celle-là, c'est pas une pub, c'est. C'est un pavé.
un thriller le machin. Voilà, tiens, Julien, il y a qui d'autre dans le véhicule? À part Marcel et Julien. Il y a Maxime. Il y a le capitaine aussi. Oui, mais le capitaine, il a déjà des clés. Mais je t'ai demandé qu'il y a dans le véhicule, t'as pas demandé... Voilà, tout le monde a les clés. Donc, non. Lui aussi, il a Paul. J'étais déjà à l'arrêt tout à l'heure. On m'a rabouté dessus. On va vérifier s'il y a... s'il est ouvert son camion. S'il est ouvert, on le fout sur le côté. Je vais vérifier. C'est bon, je suis là. Non, il est pas ouvert. Ok. Wow. Okay. D'accord. On peut pas dire qu'il roule vite, mais il roule vite. Compris là. Ah tiens, lui il s'est planté. Vu où il s'est planté, il a dû rouler vite aussi celui-là. Il a pas dû voir le virage. C'est-à-dire que la tempête a pas eu... n'était pas si lointaine qu'il y a déjà tout ça. Mmh. Après, il y en a de mieux maintenant, pourquoi ça pique sur Kavala. Plus aussi c'est tout le temps comme ça. Ça c'est pas croyable, les murs à chaque fois ici sont défoncés quoi. Les mecs ils ont tellement la flemme de faire le virage, non il faut qu'ils rentrent dedans. Les portugais ici ils ont du travail. Il y a qu'une personne sur la place quoi. Non en plus regarde. Deux personnes. Trois personnes. Non trois personnes. Ouais la personne elle vient de... d'apparaître là. L'avant vous. Quoi? Oh elle est descendue. Je vais chercher mon Rex. Ouais. Elle est sortie des escaliers shop fringues. La personne qui t'a dit qu'elle avait réapparu. Okay. Je t'ai vu faire un saut toi. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Pourquoi il n'y a pas des gens très bavards à Kavala? Ah bah le capitaine, c'est le capitaine. À peine arrivant, c'est sûr. Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour. Ah, je cherchais quelqu'un, il était juste assis là. Ah ben le voilà. Ah, salut, c'est toi. Voilà, il est parti. Ouais, c'est sûr, oui. Ouais, c'est moi. Je devais vous retrouver. Des gens chelous, ouais, ah oui, exact. Ben, le problème, bah, j'irai c'est que mon répertoire. Le chef de gang, là, il est dans une file d'attente à terminer, il va pas pouvoir venir. Ah. De ok d'accord, bon mais ce sera un temps alors. Tu peux attendre mon collègue ou leur déposer à son véhicule ou pas? Ouais. Ok, bah il arrive tout de suite là. Il va arriver. J'aime bien les gens qui descendent de leur véhicule, qui le laissent tourner. Sympa. Viens moi. Vous savez bien, capitaine, que l'essence c'est gratuite ici. Ah bah ça y est, il a trouvé une place dans la file d'attente qui est un peu plus rapide. Ah bah c'est cool. Ah, moi, je pense qu'il va arriver alors. Bon, il va sortir du pôle emploi dans pas longtemps. Ah, ok. Pourquoi tu t'as séporté? Parce qu'il y a plus de chaise. Tout simplement. Qu'il est blindé. Vous avez vu qui est descendu de la bagnole là-bas? Non. Non. Ça va casser les couilles ça. Salam alaikum. Alaikum salam. Tu peux redéposer ma caisse s'il te plaît cousin?
Ah, aucun souci, aucun souci. Ah, c'est cool, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au revoir. Bonjour, monsieur. Ah bah voilà, on sait quel propriétaire de la bagnole. C'était celle-là qui est restée allumée ? Ouais. Le gendarme demande autorisation d'atterrir sur un tireur. Oh. Il va atterrir sur un tireur, du coup. Problème, je vous demande de vous accorder victoire de tir. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je suis à la voiture, je crois. Chercher les rippers. Tu m'étonnes. Oh bah tiens, il faut que je passe au PG moi. J'ai des trucs à acheter. On peut y passer hein. Bah oui, oui, attends, on va y aller. Attendez, pas attendre Romain. Il est où? Je sais pas, il est parti, il m'a dit, il est parti là en haut, je crois, il est parti. Ouais, il y a le nu. Voilà. Voilà. Waouh. Alors, il avait. On est d'accord, Lille a du mal là. Monsieur. Monsieur, bonjour. Monsieur. Est-ce que tu peux l'endormir et demander permission de décoller de l'aéroport, tiens. De l'hélicoptère de l'aéroport. Je ouais, si tu veux, on peut passer à la Stark en même temps. C'est pourquoi en fait que tu veux passer à la Stark? Comme ça, tu vois, pour le premier, il y a plus que Gordon. Ben, j'ai plus rien à faire avec Gordon. Bah, ta licence presse. C'est pour la licence. Non, il faut que je veuille la BRF. Enfin, il m'a dit de faire encore un autre truc parce que. Enfin, je sais pas, ça a plus trop de temps, il est... Bon, t'es saoulé, quoi. Ouais, non, ça m'a énervé parce que c'est lui qui a fait que ça prenne beaucoup de temps, donc maintenant c'est moi qui me mets dans la merde, quoi. Bah non, si lui te valide la licence, il suffit de mettre pièce jointe BRF et c'est fait. Ah oui. On rajoute la BRF dans la conversation. Et puis après, t'as plus qu'à contacter les hautes autorités pour qu'ils te mettent la licence. Et monsieur Karl. Oula. Voilà, ils ont fait le bordel. Par contre, ouais, on pourrait passer à la Stark. Ou alors passer ici. Ouais. Non, mais j'ai un truc à faire ici. Bien, ah. Si j'ai rien besoin. Et quand vous m'enfermez à l'intérieur comme ça. Moi, Captain, je pourrais avoir des lacrymos, elles ont encore disparu. Putain, c'est pas possible ça. Ouais. C'est pas possible, mais ça m'énerve. J'ai demandé au dieu ce qui se passait, ça arrive, ça. Pas ouais, pouf, aléatoire, et ça m'arrive qu'à moi dans Vegas. Non, ça va, je peux pas l'avoir. Bah, pourquoi je peux pas? C'est quoi ce bordel? Moi, par contre, je te prendrais bien de chargeur de MP5 aussi. Ah bah, ça attendra que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire. Oui, non, mais je pense que je vais... 7, ça suffit. Le capitaine, il est sergent. Ouais. Mais il prend des barres. Ça m'énerve. Ah putain, j'ai pas pris assez de pognon, faut que j'aille chercher de la thune. Mais attendez, j'ai 18 000 sur moi, je sais pas si ça peut aider. Pourquoi on peut pas payer à carte bleue, franchement? Merci. Ok, donner de l'argent, Marcel.
Ouais, parce qu'ils avaient pas d'argent, sinon fallait qu'on retourne passer voilà. Première fois que je vois ça. Que Marcel donne de l'argent. Ah, mais c'est bon, on va le citer que là-dessus. Ça va? Malade? Non. Je suis fou. C'est pour voir s'il a de la fièvre. C'est juste qu'au début, il fallait matcher pour acheter une RS4, maintenant j'en ai resté. Ah. Ah, un barret de solde. Le mec est en train de poter tout ce qu'il prend, quoi. Ah, il y en a qui ont passé solde, ouais. On a qu'un solde à... Aspirant. Okay. J'ai compris, capitaine, je redescends soldat. Oh, okay. Il est en train de bouder, on dirait. Oh, oui. Ah, il y en a qui ont passé solde. Un verre adjudant. Ça c'est Neko ça. Ou c'est Neko qui passe au-delà et toi du dedans. Ou alors c'est toi qui passe au-delà. Hein non. Bah moi t'es soldat adjudant, tu vois, c'est quand même chelou. Écoute, on sait jamais. Non, moi je passerai pas, je passerai pas adjudant. C'est pas normal. Bah ouais, de toute façon il faut passer sergent. Ah, un béret lieutenant. Un capitaine, lieutenant, machin, tous les trucs. Ouais, tous les officiers, quoi. On va prendre un deuxième, on paraît combien? Bah, il a pris deux de chaque. Allez, puis. Ah, bah oui, vous croyez quoi? C'est pour brouiller les pistes. C'est pour brouiller les pistes. Il va s'en prendre pour lui aussi, parce qu'il en a plus. Parce qu'il peut pas avoir les celui qu'il a. Il y a que les bérets noirs qu'il peut avoir. Ah, une cassette d'aspirant. Ah, il y a quelqu'un qui repasse aspirant. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais être même en dessous de soldats. Mais... oh putain. Bah, il faut bien qu'il y en ait deux qui se sentent visés. Je ne sais bien pourquoi. Bon, par contre, j'adore quand même la tenue du capitaine avec la casquette. Elle va super bien, je trouve. Ouais, par contre, c'est vrai que ça va bien. Pas du tout ensemble. Par contre, je trouve que pour l'état-major, un gilet beige, ça passerait mieux. Ça passerait mieux. Mais justement, c'est ce que je me disais. Un capitaine? Non. Oh, ça serait plus camouflage. Ça serait, ouais, ça serait mieux quand même. Ouais. Plus joli, on va dire. Puis pareil, moi j'avais l'idée par rapport à nos radios qui sont en verte alors qu'on est en noir. Pourquoi on prend pas une radio noire? Parce qu'il n'y en a pas. Je vois comment réponse. La BGS est en non pourtant. Ouais. C'est quoi? La BGS, elle en a. Là, il y a la cri pour celui qui avait demandé. Oups, c'est bon, je prends. Donc là, il vient de brouiller toutes les pistes parce qu'il a pris des bérets de toutes les couleurs. Il a pris des bérets de chaque. Alors, c'était quoi les munitions qu'il te fallait MP... Attends, c'est quoi le nom MP5. La petite, MP5 cut. Magazine balle. Les 9 mm là. T'en faut combien? En deux, ça me va. Combien? Deux, ça me suffit. Ouais, bah j'en ai pris 5. 5 alors. Si tu veux. Il y a quelqu'un qui avait encore besoin de quelque chose tant qu'on y est? Non, c'est bon. Ah, messieurs, je peux pas prendre tous mes chargeurs, si quelqu'un peut les prendre aussi, s'il vous plaît. Je dois dire que j'ai légèrement 20 kits de soins, donc. Si tu fais avec tout ça, toi. Tout acheter avant, comme parce qu'en général, vu que je tombe souvent du muret et tout comme ça. Je mange ce qu'il faut. Je mange, je les ai sur moi. Moi je suis en train de vérifier toutes mes munitions. Au pire, pose tes kits de soins. Je prends des kits de soins sur moi. Hein. Avec 3, enfin, t'inquiète pas, j'ai de la place. Je te mets tes trucs au sol et échange. Ouais, j'ai tout mon besoin. Bon, elle est où la machin là, que vous voulez aller là? Bah, la Stark, peut-être. Et ouais. Après, on ira. Non, mais attends, je suis en train de chercher où elle est. Elle est juste derrière nous, dans Kavala. Ah oui, dans ok. Kavala, l'armurerie. Ok. Je te les redonnerai. Oh, mais t'inquiète, on s'en garde. Oh, mais enfin, j'en ai pas besoin. C'est hier, j'ai fait les courses. J'ai fait. J'en ai eu pour plus de 300 000 au niveau des petites lumières. Faudra un jour que je parte pour un chaîne coupé sur Sophia. Oh, les trucs que tu peux attacher au sac ou aux voitures qui font de la lumière là. Ou que tu peux acheter au sol. Les bâtons. Ouais, les bâtons lumineux, voilà. Je cherchais le nom. J'ai fait plein de ça, j'ai fait plein de kits de secours et de kits de réparation. Je crois que je vais faire bientôt marabouter parce que tout ce que je vois. Le monde qu'il y a.
Quoi? Mais c'est trop où lui? Mais c'était cru où lui? Non mais il se croit où lui? Oh! Il y avait vraiment des bras cassés hein! Ah bah voilà! Ah bah voilà! Ça va, il est pas mort! Ah si, il est mort! Oh là 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 là! Pourquoi il y a le mec qui passe devant comme ça quoi? Putain, ça s'entend un véhicule quand il arrive quoi! Ça se voit surtout! Toi, super! C'est ça! Ah monsieur, vous écrasez des clients en haut! Non, non, il m'a couru dessus! 150 000 euros là! C'est jeté sur notre véhicule. Ah non, non, vous êtes clairement passé dessus. Hein. Vous êtes passé dessus. Il était en train de traverser, bonjour. Bonjour messieurs. Et vous l'avez littéralement écrasé. Il fallait qu'il regarde à gauche et à droite, monsieur. Bon, j'espère que vous allez passer une commande plus chère que 150 000 euros, du coup. Et car récupère ses effets personnels. Et vous avez toujours un Cézanne? Ah bah, je vais te vendre. Et puis bonjour monsieur le préfet au passage. Ah bonjour. Au passage, vous voulez les catalogues? Ouais, j'aimerais bien ce quoi. Bien sûr. Alors tenez, vous transmettrez à votre collègue, hein, évidemment. Parce que sinon, j'en ai pour une heure. Petite poche. Il y a un petit plus. Ouais, moi aussi, je voudrais bien le catalogue. Prends le passer, Romain. Voici. Qui d'autre? Moi aussi, si tu peux me le passer, s'il te plaît, Romain. Vous aussi. Tenez, je vais le donner à tout le monde, en fait. Ah, merci. Merci. C'est bon, j'ai bien raté personne? C'est bon. Enfin, pour moi, c'est bon. Pour vous, les gars. Oh, c'est mieux, bon, on peut pas les voir les armes. Ah, si, visuel des armes, il est marqué. Oh, merci. Pas de problème. Vous faites une bonne journée. À de même, au revoir. Hey. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Du coup, messieurs, je peux vous aider? Attendez, je vais m'excuser pour vous, pour vos collègues. Bon, je te laisse laisser aider avec les autres clients. Je pense que. J'ai appelé les pompiers, j'ai envoyé un message aux pompiers. C'était vous qui avez décidé d'aider avec l'emporte? C'est moi, les deux. C'est bon, monsieur, moi j'ai choisi. Ah, attendez, hein. Je vous écoute. Ah, je vais prendre deux protecteurs. Ah, bah les protecteurs sont indisponibles, monsieur. Gordon? Ah, bah oui. Oui. Le stock est pour le. Par contre, on a les steams. C'est l'équivalent. Deux steams. Vous attendrez deux secondes. Par contre, je peux avoir une pièce d'identité. 265 000 euros x 2. On va vous les faire à 260 000, il n'y a pas de soucis. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème. Ah, mais merci. Par contre, vous pouvez me redonner votre carte, parce que à cause des messieurs, Ça vous fera 520 000, on a le distributeur là, à la petite caisse, moi je vais vous préparer votre commande. Hein. Ah, et moi je vais vous donner la mienne aussi, vu que nous sommes tous les deux ensemble. Bon, moi je pense que j'ai passé un achat. Hein. Alors Anderson du coup. Bonjour. Bonjour. Par contre monsieur vous m'avez donné une carte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah il s'est jeté sur ma bagnole. Bon allez. Ah merde. Bon t'as mis l'RCP, je vais chercher brancard s'il vous plaît. Allez. On est parti. Allez, 1, 2, 3. Ouais bonjour. 5, 6, 7, 8, 9. Vous vous attendrez deux secondes. RSP. Encore le nom de l'arme j'ai plus t'as bougé c'est quoi le nom de l'arme que t'avais pris de... en quelle attendez monsieur spontané serrez-moi la main monsieur s'il vous plaît avec la petite lampe vous êtes non vous êtes du gouvernement bonjour monsieur ça part pas pédalité s'allongez vous s'il vous plaît non vous êtes du gouvernement éloignez vous s'il vous plaît pour discuter messieurs s'il vous plaît merci éloignez vous merci bien. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Vous très rapidement, excusez-moi. En fait, il y a un véhicule qui C'est moi pour qui passait assez lentement. Et je l'ai pas vu. Regarde. Et il m'a un peu percuté. Pendant que vous parlez, je vous fais des palpations. Ok, vous me dites là où vous avez mal. Oui. Ça, je sais pas. Non. Bah, en fait. C'est là? Il m'est rentré un peu dedans. Je suis. J'avais tellement peur que en fait, je suis tombé dans la. Vous avez mal à la tête, bah, je vais vous laisser faire. Vous me faites un état des lieux, si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Ouais, monsieur, quand je vous effectuais les palpations, vous avez ressenti une quelconque douleur? Non, juste un petit peu mal à la tête. Ouais, je vois ça, vous avez une plaie là ouverte à la tête. Au niveau des cervicales, là, quand je vous touche, là, les épaules légèrement, et le bas du dos, c'est bon?
Faut reculer des coffres s'il vous plaît, parce qu'en fait je peux pas ouvrir. Je vais le désinfecter un peu là et on le met sur un plan dur, on y va. On l'amène à l'hôpital, on l'amène au CH. On désinfecte pas, surtout pas, on va mettre un bandage élastique autour de sa plaie du coup qu'il a à la tête. Brancard, on embarque. Il met un petit bandage, non? Mathieu, bandage élastique, pour compresser la plaie. Il y en a un qui va récupérer le monsieur là, à l'hôpital. Et quelqu'un peut confirmer s'il avait une somme sur lui? Bon. Fiche, je crois qu'il y a, y a un monsieur qui l'a ramassé. Hein. Un petit bandage. Du coup, je décolle avec le plan dur. Il est là, non, mais pour savoir s'il a perdu quelque chose, que j'aille lui compenser ce qu'il a perdu. Ouais, allez, j'écoute. Allez, on vous soulève à trois points. Ouais. Vous avez eu le catalogue ou pas du tout? Ouais, le site de Silver, c'est pas celui qui est disponible en. Non, non. En armurerie. Affirmatif, hein, il faut qu'on on s'est fait. Il y a eu un petit souci avec l'usine, du coup, en fait, on n'avait pas capté, ils n'avaient pas capté qu'il était aussi en vente à l'armurerie, donc voilà, c'est le même. Hein. Le. FMT 45 Tactical, on avait encore, est-ce que je vois? Oui, on a un 5. Donc, moi je vais vous en prendre 2. Très bien, 2. Donc c'est 45 000 multiplié par 2, ça nous fait 90 000, monsieur. Je peux avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous avez vite un chargeur offert, bien évidemment. Monsieur Marcel Klamb. Ah, bah vous êtes un... Bah vous savez quoi, je vais vous faire à 80 000. Non, 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 non. Si. C'est un ripou. Non, monsieur Klamb nous a déjà pris beaucoup d'armes, donc c'est très bien. Je vais vous chercher votre commande. Je vais vous chercher l'arme. C'est bon, votre distributeur fonctionne? Non. C'est toujours pas. Ah bah non. Je vais aller chercher. Vous inquiétez pas, je suis aussi déçu quoi. Parce que du coup on est tout le temps avec des 100 millions sur nous. Oui du coup oui. Bonjour. Ouais, ah oui c'est bon. Vous Du coup on y va à pied chercher. C'est alors bon, du coup vous avez l'argent sur vous? Ouais. Le plus près je pense c'est la préfecture. Non nickel. C'était un CZ plus la lampe torche, c'est ça? Et je ah oui puisque là le véhicule est parti chercher la personne. Ah oui, c'est pour allumer. Y a quelqu'un qui vient avec moi? Il prend 50 000 s'il vous plaît. Je vais venir si tu veux. Tu as une commande à faire? Non, non, non. Non, merci. Ah, merde. Attendez, votre pièce d'identité s'il vous plaît. Et si j'ai envie de monter, il se passe quoi? Pff, j'ai peur. C'est limite du bénévolat ce que je fais. Là, ce qui me semblait. Ah là là, ces gens qui se croient 50 000 euros. Allez hop, il y a votre petite commande, monsieur Knaz. Il est parti chercher de l'argent. Du coup, ça c'est bon. Bah, on a des distributeurs, c'est bon. Bah, XX. Vous me disiez qu'il ne marchait pas. Ah bah, je me suis trompé. T'es sérieux? Oh là là là. Bah oui, il fonctionne. Tiens, préviens Marcel qu'il fonctionne. Je suis en train de répondre à Steph. Moi, je suis l'administratif comme ça. FMP, on a plus de 3. Steam, j'en ai vendu 2. J'en ai vendu 2, 3. Il nous en reste. Oh putain, maintenant j'ai déjà cherché les sous. Il faudrait que j'aille chercher les potes. Ah non, c'était une question, il faut ça. C'est négatif cette réalité. Vous avez acheté votre plastron et porte munitions. Venez avec moi. Oh, c'est pas mal. Ouais, j'ai pas mal. Je suis du gouvernement, monsieur. Ok, merci. Bon, monsieur le Ripou, je vous donne votre argent. Alors. On peut avoir votre carte, s'il vous plaît? Il est pas là? C'est beau. Ah, je vous ai donné votre argent. Hein?
C'est bon, vous avez reçu? Vous allez encore dire que je suis un voleur. Excusez-moi, monsieur. Oui, bonjour. Je n'ai rien. Vous êtes là? Très bien. Donc nous avons dit 80 000. Bonjour. 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 Bonjour messieurs. Vous aviez du liquide sur vous? Je sais pas du tout monsieur. Vous êtes monsieur Hills? Oui c'est ça, c'est ça. Ah c'est bien dommage parce que j'allais vous rembourser ce que vous auriez possiblement perdu lorsque vous êtes jeté sur mon véhicule. Ah, en fait, moi aussi, j'ai eu un petit peu de magie noire en fait. Monsieur, j'ai vu loin. Si, d'accord, et vous souvenez pas du tout combien vous aviez sur vous? Oui, c'est moi qui dois tout le temps tout faire. Qu'est-ce que t'avais sur toi? T'avais 9 000 et quelques. 3 000, c'est tout. Ah, attendez, restez là, bougez pas. J'ai mis à jour les Sting et j'ai acheté le truc. Ah, t'as vendu que ça? J'ai vendu que ça, mauvais vendeur. Les Sting qui t'as acheté, tu les as dû enlever du catalogue? Oui. Alors, bougez pas. Ah, pardon. Ouais, j'allais vous. Ah, merci beaucoup. Alors, hop. Et la prochaine fois, regardez bien à droite, regardez bien à gauche hein, quand vous déplacez, que vous entendez une voiture. Le souci, en fait, c'est que je vous ai entendu. J'ai regardé, mais mes yeux, ils vous ont vu, mais loin. Et tout d'un coup, en fait, vous êtes arrivé devant moi. Je crois que j'étais ensorcelé, en fait. Ok, mais c'est pas grave. Vous avez reçu la somme? Oui, monsieur, merci beaucoup. De rien. Et je vois, je pense que je reconnais ce logo sur votre béret. Bon, monsieur. C'est pas parce que la bodyguard? Non, négatif, Vegas Security. Ah d'accord, bah, excusez-moi, je me suis trompé, désolé. Ah c'est pas grave, et bonne journée à vous. D'accord. Ah j'avais pas compris, excusez-moi. Vous inquiétez pas. Je m'embrouille tout seul. J'ai l'argent. Si tu pouvais écouter. Après ça on va voter. Mm-hmm. Puis après on va rentrer sur Vegas. Oui. A voir si la bourse est haute ou pas pour faire une vente, pour moi. Oui. S'il n'y a pas de vente, moi je prends. Non. Toi tu quoi? J'ai dit s'il n'y a pas de vente à faire, moi je prends la fin de ça. Oh, comment moi, il nous lâche? Ouais. Non mais si c'est pour se faire chier pendant 40 ans. C'est bon? Attends. T'as pris l'habitude, après tu vas me dire de se faire chier pendant 40 ans. Oui, bah tu mets même pas un jour, tu mets même pas le prix qu'il a payé pour 16 ans. Bah, normalement, Nico il fait tourner son entreprise. Hein. On est censé être. Si on n'avait pas à voter, on est censé être là-bas le sécurisé. J'ai oublié que Nico il fait tourner son entreprise. Ah bah oui. Là, c'est juste parce qu'on doit voter qu'on est là. Pour quelle arme? Ah non, désolé. Faut aller. Nous on vend pas de viseur et tout ça, mais il faut éventuellement voir l'armerie civile. Il propose des ACO comme viseur, c'est des viseurs un peu pourris. Alors, monsieur Maxime. T'es disparu. Maxime? Rafi? Et où? Je suis au côté du capitaine. Maxime, où est-il? Là. D'accord. Bon, je vous explique. Alors, ça fera 258 000. Sur plus de 500, c'est rien. Et le Rex fait 62 000, donc ça nous fait 260 000 plus 60 000, ça nous fait 320 000. Ouais, c'est ça. 320 000, monsieur. C'est bien prévu. Je vais vous mettre dans le coffre. C'est quoi votre nom pour que je puisse payer? Jean-Pierre Gordon. Bien ça. Oui, attendez, je vous dis. Au revoir, les gars, désolé. Merci. Ah, plus Julien, il n'y a pas de souci. Alors, nous avons le Rex, la PDW, le chargeur. Boum.
Clay, voilà. tu l'as fait à combien cette sting? Tu l'as fait à tout est complet. La sting, à qui? À Clay. Je l'ai fait à 260, mais il m'a donné 270 000. Ah. Merci. Moi, je vais le prendre normal alors. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Il y a des chargeurs pour chaque arme. On va penser avant de ranger le véhicule à transférer les armes au capitaine. Oui. Des petites armes sympathiques, non? Ouais, moi aussi, on va regarder dans le coffre. Ouais, j'ai vu, sympa aussi. Bah, tout le monde est servi là, on va pouvoir y aller. Oh, ouais. C'est monsieur O'Neill? Oui. Si vous souhaitez commander des armes vigiles, vous me dites, hein. Je fais des petits prix, y a pas de soucis. Hein. D'accord, ok, je prends note. Marche. Merci à vous. Souci, bonne journée. Au revoir. Ouais. J'en ai en bas. Oh. Qu'est-ce qu'il fait Marcel? Putain, j'ai dit que je peux aller, j'étais un passager. Ah bah voilà, c'est bon. Ah bah, dites qu'on va aller chercher à l'héliport. Un message. Enfin. Captain, on est bien d'accord que si je dois passer par pour acheter des armes, j'ai eu vigile, il faut bien que je passe par par vous pour quelqu'un qui a la licence. Affirmatif. Ok. Parce qu'il m'a proposé, du coup, je lui ai dit que faut que je passe par l'état-major. Ces armes elles coûtent cher hein, dans les vigiles. Sont combien ces armes? Ça, je regarde. Elles sont plus chères qu'à la FR. Dans la chaîne. Ah ouais. 25 000 de plus. Ouais, elle est partout en plus. Donc, 25 000 de plus pour chaque. Ouais, fiel. Une petite pause mentale, moi. Pas sûr. Pas de réponse des gendarmes. Civil pour gendarmerie, si vous recevez. De gendarmerie, merci de vous identifier, vous ainsi que votre appareil. Alors, comme j'ai dit, Civil Paquet demande la permission d'atterrir à l'aéroport de Kavala et j'ai un M900. Voilà, autorisation accordée. Merci. T'as compris le prénom du mec? J'ai cru comprendre Jérôme Paquet. Tu l'as dit son nom? À la FNRLT, à mon avis, ce qui fait que c'est moins cher, c'est quand même que. Et c'est des vigiles qui gèrent donc. Oula. Oh voilà. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Mec, quelle question. Aurez-vous un surflex pour mon collègue? Parce qu'il a dû s'absenter quelques minutes et je sais pas quoi t'arrives à mettre. Je peux pas le laisser planter comme ça au milieu de la route. Le fait, capitaine, ou je le fais? Bah, il va le faire lui-même. Je vais lui donner un. Surflex, je tape pas là sur la tête de votre collègue.
Je ferai un malin plaisir pour le faire. Ah merde. C'est bon, vous l'avez ? Merci bien, monsieur. De rien. Ah, bah ça y est, c'est réveillé. Bah vous pouvez me rendre le Serflex. C'est bon, t'as réveillé ? Oh, je vais. Ah ouais, après. J'étais à deux doigts de te mettre une tatane sur la tête là. Ah, merci à vous, monsieur de la sécurité. Je vous souhaite une très bonne journée. De rien, bonne journée à vous. Au revoir. Ah là 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 là. Je commence à m'ennuyer, comme ça on peut parler de choses tranquilles. De quoi tu veux parler ? Du fait que t'étais à poil il y a deux secondes et que maintenant c'est Maxime qui est à poil ? Ouais, c'est trop chaud, Captain aussi. Vous faites des choses bizarres, vous. Moi j'étais à poil ? Oui, oui. Ah, d'accord. Bonjour CS. Quoi ? Vous t'avez parlé ? Non. Ah, d'accord. C'est vous qui avez parlé. Non, non. Bah, vous vouliez murmurer, qu'est-ce que vous aviez à dire ? Ah, ok, si jamais on parle. Ah, il y a deux FNP. Il y a deux FNP 45 tactical ? Ouais, bah, moi j'en ai pris deux. Oui. Ah. Ça, quand je suis resté vite, je me balade pas avec un truc trop visible sur le dos. Mais... Ah, moi j'ai une PDW, j'ai une MP. J'ai mon MP412 Rex. Ah, j'ai vu. Magnum. Moi là j'ai commandé à FNR Altis la M41 Black. Donc que j'ai essayé au champ de tir. Hein. J'ai commandé quoi encore j'ai commandé... Moi aussi je fais une petite absence là. J'ai commandé une Sting aussi et de nouveau une M45 Tactical. Du coup j'aurai une Sting, un troisième FNP. Je vais voir pour une acheter M80... une CZ là. Ouais. Pourquoi pas? Pistolet là, non, je crois que c'est ça. Si, c'est sûr. Et en plus, il est bien parce que eux, il y a une lumière avec. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je vais le prendre en fait, c'est qu'il y a une lumière avec. Mais c'est pour ça que je l'avais pris, mais ça fait une petite idée ce qui s'est passé. Il m'a fait quoi? Il m'a fait, ouais, il y a une petite lumière avec sur celui-là, mais je l'ai pas en stock, je fais. C'est ça. C'est le premier truc que j'ai demandé. De quoi? Parce qu'il avait une 16ème. Ah, un CZ parce que c'est un petit bug, c'est un petit pistolet. Oh, je viens de découvrir un truc. Ah bon? C'est bien. Ouais. D'ici on peut. D'ici je peux atteindre le garage auto. Je viens de découvrir un truc, je vais voler des armes. Capitaine? Ouais, Maddy a demandé pour décaler. Ah mais ça va être chaud pour après la tempête, il y a un résultat des élections présidentielles, on se rencontre. Donc non on peut pas. On peut pas, c'est pas possible. Bah à partir du moment. Capitaine ? Oui ? Il y a Maddy qui demande pour décaler après la tempête la réunion. Mais ça va être chaud vu qu'il y a les résultats des présidentielles, à mon avis, on sera en contraint. Ouais, c'est pas possible. On est où je réponds ? Je laisse répondre. Ou... Vas-y, je réponds. Je réponds, ok. Ah, c'est chiant parce qu'il va falloir que je rentre le palette pendant qu'on va voter pour le ressortir après. Ah ouais? Bah oui. Ouais, ils sont plus beaucoup à la paire. Bah comment ça se fait qu'ils étaient 8 et ils sont passés à 2? Ouais, ils sont plus que 6 en fait. Il reste Negan, Alex, Eric Winter, John Carter, Avory David et Dylan McMillan. Vu que l'ancien PDG bah, il est mort donc d'accord juste de taper dans les murs c'est pas mon compte aussi police ça mais non c'est ceux qui nous ont vendu les armes c'est le préfet le Ben ou l'UH. Pourquoi il a des gyrophares? Bah c'est une voiture gouvernementale. Ah, je comprenais pas. Ah bon?
quoi? Le bel ou l'UH? Bah attendez, les deux. Je suis pas un ancien de Lille, moi. Ah non, moi non plus, je connais ce véhicule. Ouais, mais j'ai jamais vu ce véhicule. T'as une citerne? En tout cas, il est magnifique. En tout cas, je pense que les pneus sont pleins d'ailleurs. Les deux, ils sont bleus. Ah bah oui. Ah! La différence. Ah, attends. What? Il est rempli. Non, par contre, c'est moi qui ai rempli l'autre. D'accord, toi bien, le changement de couleur. Non, c'est des problèmes avec l'île. Hein. C'est... Ah, je sais. Et là, bientôt, l'hélicoptère va changer de. Non, même pas. Ah non, ne décollez pas! C'est pas une bonne idée! Captain, décalez-vous, ça va leur péter à la gueule. Pourquoi ça leur a péter à la gueule? Il veut partir vers la DGS. Simple, en fait, je t'explique. Quand ton véhicule apparaît comme ça avec le garagiste, il se peut que après la tempête de 20h, il y a un petit temps d'attente et ton véhicule sort d'une autre couleur et dans une autre position. Sauf que le problème, il change de couleur. Bah, quand on voit la tisseur là, il est en décollage de l'hélico en décabanade avant ton relation de décollage pour une arrivée sur Neuchâtel. Ça veut dire pas qu'il est bien, ça veut dire que s'il doit se retourner encore une fois, ça te ramène à ta position initiale. Sauf que quand t'es en voiture, ça va. Mais quand t'es. Enfin, faut pas qu'il y ait un autre véhicule qui soit réapparu en entre temps. Quand t'es en hélicoptère, ça fait baoum. Et ça m'est déjà arrivé donc Je connais. Bon moi ça va, c'est l'hélicoptère a pas pété mais. Capitaine, vous permettez de lever les pieds sur le tableau de bord hein? Bah du moment que vous enlevez pas vos chaussures et que ça pue. Ça va, je vous laisse. Habituellement je mets toujours je prends toujours des pantoufles avec moi. Moi je prends toujours la douche avant de partir en service. Je prends toujours des pantoufles normalement que je viens... quand je rentre dans un véhicule comme ça, je peux quitter mes chaussures. Des pantoufles et tout, hein. Bon, on attend. J'attendrai. Quand il sent de la montagne à cheval. C'est là que tu vois des trucs quand on descend de la montagne. Bah, elles sont bien longues ces 10 minutes. Eh hey, mais si vous voulez, vous savez ce qu'on va faire? Vous ennuyez les gars? La fille? On va aller faire des tours de train. Il y a un terrain juste à côté. On vous regarde se faire adjudant. Putain, vous êtes où, c'est là? Est-ce que j'ai une gueule à courir moi? Bah la regardez justement. Oh là 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 là. Ah je sais pas. Un 900 d'autorisation d'aller acheter un camion à Kavala pour aller voter. Monsieur, attendez, je vous dirai le top. Pardon, Julien, vous pouvez rappeler. Oui. Attendez, les gars. C'est pas un truc. Capitaine, c'est le départ. Voilà. Ouais, le capitaine, c'est le départ. Ouais. Capitaine, vous faites comme dans les Jeux Olympiques que vous tirez en l'air? Ouais, pour qu'on a toute la gendarmerie qui nous tombe dessus. Non, moi je me mets toujours là parce que ça va plus vite. Vas-y, 3, 2, 1, go. Top! Le Vega Security pour la gendarmerie demande autorisation d'atterrir à l'héliport de Kavala. De contrôler la gendarmerie d'autorisation accordée pour Vega Security à l'héliport de Kavala. Merci. Les gars, le palette il arrive.
Steph, soldat. Repos. Ah, Steph. Et oh, hop. Ah, vous auriez pu représenter vos respects, adjudant. Hein. Je suis resté dehors, moi. Un aspect soldat. Un aspect soldat. Un repos mutuel. C'est ça. Mais un aspect adjudant. Un aspect soldat. Repos. Cool, je suis avec vous, merci d'avoir attendu. Putain, y'a des gens qui ont des voix dans leur tête, c'est bizarre. Je l'ai même pas vu arriver en fait, Steph. Eh, c'est qui a des voix dans sa tête, les gars? C'est Maxime. Ah, c'est moi. Et il doit faire quoi, Neko? Il va chauffer, d'après ce que j'ai compris. Il va quoi? Ah, d'accord. Oui, chauffer, pardon. C'est un terme. Il va chauffer. Ah non, mais c'est un terme. Quand tu prends un camion, tu chauffes, machin. Tu chauffes le siège. Il va conduire, quoi. Ouais, bah j'étais, voilà. j'étais pas du tout là-dessus. Capitaine, non, désolé. Oh là là. Non, non, mais ce qu'il dit, voilà. Donc je suppose que tu es routier et que t'as le poids lourd. Oh voilà, j'ai plus de problème de voix dans ma tête. Pique, ah, c'est Kavala. Hein. Ah ouais, non, Kavala, c'est... Non, 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 je connais des termes routiers, mais c'est autre chose. Quoi? Non, rien. Il connaît des termes routiers, mais c'est autre chose. Non, mais c'est en plus, c'est pas... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à klaxonner? C'est pas possible. Et, enfin, moi, j'ai... Enfin... On me klaxonne quand il y a les flics, moi. Ouais, madame. Mais comme disait le russe sur la radio un jour, il disait ici la loi, c'est... Avant la loi c'était moi ici. mais après un gendarme a répondu. Maintenant, ouais, ça, la loi c'est moi. Ah. mais ça c'était avant, maintenant la loi c'est moi. Bien raison, les gendarmes, faites-vous respecter. Ah, on court, faites-vous respecter. Faites-vous, ça pique un peu, ouais. Faites-vous respecter. Ça pique un peu les oreilles. Faites-vous, ouais, c'est fait. Ah oui, c'est fait. Faites. Faites-vous est une faute que j'adore faire. Maxime, parce que ça fait mal aux oreilles de tout le monde. Oui. J'avais même pas remarqué la faute. Oh la vache. Pique les yeux. T'as vu, ça a piqué les yeux et les oreilles en même temps, peut-être. Les oreilles, non, ça va. Ah, c'est. Non, c'est pour Maxime. C'est ce genre de. Cette genre de, d'orthographe là, je l'ai fait exprès. Cette faute. Oui, allez, à d'autres. Tout le monde fait exprès de faire des fautes. Ah non, mais celle-là, je la fais exprès. Quand je parle, je le fais tout le temps, mais quand j'écris, je la fais jamais. À la prochaine fois, tu nous écriras. Ouais, il va faire exprès. Écrire avec ses cordes vocales, c'est quand même compliqué. Hein. J'avoue. mis à part si je vous parle en morse, cela faudrait. Voilà! Oh la magie! C'est bien, il y a eu énormément de magie noire là. Ah si, ouais. Génial. Peut-être plonger le. Je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau, on a nos armes dedans. Il y a déjà eu d'autres bureaux de vote ou pas? Non. Il faut laisser les armes dans le sub, j'imagine. Ouais, vas-y, on va les laisser dedans. Que les armes ou. Oh, il veut... Ah ouais, non, moi j'ai pas... Ah, je sais pas, enfin, normalement je suis rentré avec mon arme, c'est... Non, bah les chargeurs, on laisse nos armes, c'est déjà pas mal. Essayer, je sais pas. Les chargeurs. Ah bah j'ai déposé mes armes, moi. Ah, moi aussi, je suis en train avec mes chargeurs. Je garde mes chargeurs, je m'en fous. Ouais, non, mais... Les chargeurs, à part les jeter à la gueule de quelqu'un, tu vas tuer personne, hein, si t'as pas les armes. Bah c'est ça. Ah ouais, bon. C'est avec moi, je sais que. Ouais. Attendez, je suis encore mon Tinder. Attendez. Vous pouvez rouvrir? T'as pas les clés? Attends, je te passe les clés, Steph. Merci, c'est bon. Attends, Steph, je te donne les clés. Allez, on court. Là, je vais bien. T'inquiète, c'est le top V. Allez, on fait autre chose. Oh, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Bonjour, monsieur. Allez, gaffe, bonjour. Oh non. T'es sérieux? On va jamais avoir de place avec ta commande que t'as fait.
Oh ouais, non, mais là on aura plus de place dans le tube. Hein. Ouais, je vous l'ai dit. Ok. On sait jamais, si t'envoies un chargeur à la tronche de quelqu'un, tu peux faire un mec. Bah, on aura plus de place dans le tube. Oh là 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 là. Pas que les chargeurs, bon. Non, mais les gars, on aura porte pas de place. Quoi. Ah, on a peur, on a pas de place pour poser les chargeurs de tout le monde. Ah, on a pas assez. Ah, là c'est pas possible. Non, c'est mort. Voilà. On va essayer, mais. Non. Ah si, il y a encore de la place dans le sub. Tac, 6 et 2, ok. 7 et 2. Il faut poser les lacrymos, je pense aussi. Y a pas de... Il a rien dit sur les lacrymos? Non, il a rien dit, mais je pense qu'il faut les poser. Bah là, par contre, c'est clair qu'il y aura peut-être pas assez de place. Hein. Mais 5, on sait jamais, tac. Et après ça, il y a plus de place, hein. Ouais. Bah, c'est fou, c'est posé, c'est bon. Ouais, ouais, c'est juste les lacrymos, je les pose ou pas? Bah, j'ai posé les miennes. Il y a cette place, ouais, j'ai les clés, c'est bon. C'est juste pour éviter c'est de revenir. Merci. On les a posés quoi? Je les ai posés comme sécurité parce que les chargeurs sont pas autorisés non alors qu'on a pas nos armes. Oh. Ah putain, j'entends rien. Eh monsieur, excusez-moi. Monsieur, restez là. Attends pour moi. Ah oui. Bonjour. Non mais monsieur. Oui. Mais il a pas fini. Mais si, il vient de sortir le monsieur. Oups. Il y a quelque chose devant moi. Là. J'ai voté. Et voter Yeager. Vas-y, vous pouvez rentrer. Y aller ? Ouais, vous pouvez rentrer. Mais pas y aller directement. Je vous comprends. Ah, attendez, sinon il va sauter du pont là-bas en haut. Ouais. pauvre petite tapette. Oh, exactement. Ou pas de politique, bien. Mais je rigole quand même. Vous allez bien ? Et vous ? Oh, c'est qu'il y a les hommages. Ah, moi aussi, les hommages. Vous avez des nouvelles de mon frère ? Est-ce que j'ai de nouvelles de votre frère? Écoutez... Mais Stéphane, il était soldat à l'ONU. Ah, écoutez, non, je... Moi aussi, ça fait longtemps que je suis pas venu au service, donc écoutez, je pense que tout se passe bien si j'ai pas entendu parler de lui. Oh non, ça doit aller. Oui, je pense. Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est qu'il est retourné sur le bon. Avec mes neveux. Il a dit suivant. Ah. Bon. On tombe. Merci. Il y en a un, vous pouvez rentrer. Écoutez, j'ai pas eu l'occasion de dire au revoir. Hop. On procède à une petite marche. Oui, affirmatif. Bon, allez-y. Ok, c'est bon. Ok. C'est bon. On perd en voilà. 10. Donc, on ouais, elle est sympa, elle est renforcée. Ouais, je vois ça, je vois ça. Ça roule partout, ça, non? Ouais, ça va. T'as un petit moteur, donc faut pas trop compter dessus pour les côtes. Ah oui. Les côtes en montagne et tout, c'est un peu difficile. En général, en montagne, je peux fermer. La sécu civile avec les hélicos. Ouais. J'imagine. Vous êtes stagiaire ? Deuxième et place. Tu allez-y, monsieur. Merci. Ah, il y en a un qui peut rentrer. Tu es obligé de le garder combien de temps ? Vas-y, on va vous fouiller. C'est bon, c'est bientôt fini. Vous avez le droit de toucher les blessés en stagiaire ? On est en tête. Ouais, voilà. C'est moi qui me refile tout le boulot à chaque fois. C'est pas plus mal, justement. Il y a encore un peu de mal dans les contacts radio. Tout aussi. À l'heure, on avait le marchand de premier secours, là, on a le marchand de béret, apparemment. Ouais, c'est ça. Merci, bonne journée. Merci à vous. Je vais baisser les bras, monsieur. Normal. Au revoir. Je pourrais pas être le marchand de chargeur, là. Ah, malheureusement, le marchand de chargeur, il va pas passer. Hein. Allez-y, monsieur. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous-même. Très bien, merci. J'aurais besoin de votre bulletin, de votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur John O'Neill, c'est bien ça? Affirmatif. Alors, je vous charge un dossier, vous êtes là, parfait. Vous me ferez votre bulletin de vote en sachant que vous avez le choix entre monsieur Jarose, monsieur Thyrialde ou le vote blanc. Monsieur Thyrialde.
Tenez. À voter, parfait. Je laisse une registre en face de votre nom. Voilà. Parfait, n'oubliez pas votre pièce d'identité. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Là, au revoir, messieurs. Il y a moins de protection pour le premier tour. Ouais. Bonjour. Oh mince, j'ai pris un chargeur qui était pas mort. Ah, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas le droit au. Oh, mais. On n'a pas le droit de prendre nos chargeurs, par contre, des lacrymogènes, on avait le droit de les prendre. Je comprends pas leur logique. Merde. Et c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Tac, tac, c'est non, ça. Pas la 556, mais là ils sont. Là c'est bon, j'ai tout. Attends, ça m'énerve quand ça te met. Il l'a foutu où? Quoi ça? Bah, c'est une explosion. Ouais, c'est pas faux, capitaine. Ok, c'est pas faux. Alors attends, c'est bizarre parce que je croyais que j'en avais 5 de ces vacheries là. Ouais, et deux explosions là, ça c'est par contre pas normal. Ah, c'est un attentat. Une explosion, ça passe. Deux explosions, attentat. Une explosion. Ouais, trois explosions, attentat. Ça commence et à faire c'est beaucoup. Place Cavala. Hein. F200 demande autorisation de décoller à l'aéroport national. C'est quatre explosions. Hein. Civil, la gendarmerie. John Miller, direction Pierre Gosse. Je vais mettre sur la longue, je vais que. Oh, capitaine. Revenu pour gendarmerie. Ah, c'est bon, il y a déjà venu. Revenu pour gendarmerie. Moi, j'ai pas rien à prendre. Ah, si, il y a mon arme encore. Vous pouvez vous équiper en étant assis dans la voiture, monsieur? Oui, bien sûr. Lui va devoir bouger son cul, peut-être. C'était combien d'explosions? 4? 4. Bah, j'envoie un message. 5, ouais. J'envoie un message gendarme. C'est sur place Cavala, hein, vu la fumée. Bah, oui. 4 d'affilée, c'est explosion attentat de ville. 5 gendarmerie. Pourquoi ils font des attentats? Ils font une demande. Je ne comprends pas. Démocratie. Putain, il n'y a pas de gendarme ou quoi? Ah, il y a de la magie. Revenu pour gendarmerie. Bah là c'était de la magie noire mais... Ouais, non, c'est de la magie noire énormément quoi, sur toutes les voitures qui avaient collé mais bon... Bah, aurait pété d'un seul coup mais pas... Attends, c'est... Il reste des armes dans la voiture là. Ouais c'est... C'est normal, ok. Regarde, on dirait quand même que c'est chelou. Hein. Oula. Un HMTT qui fait 5 explosions comme ça? Pas trop. Ah non, il y a eu 4 explosions, il y a eu 4 explosions, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Ne restez pas là, s'il vous plaît, monsieur. Ne restez pas là. Il y a eu des explosions comme ça. Comme ça. Herman, c'est toi? C'était 4 explosions. Herman, c'est la gendarmerie. C'est toi? Pour voir l'atterrissage, le report de. Allez, il faut faire d'autres. Bien avant 4 explosions, on sait pas pourquoi. Jacques Herson. Herman, c'est toi ou pas? Oui, c'est moi. Ok. Ben que celle-ci ait explosé, c'est bizarre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Revenu pour gendarmerie. Ouais, non, mais de toute façon, ils ont pas bougé les véhicules.
à la nature, ça va pas bouger. Donc, sur les véhicules, il doit y avoir des... Ça tombe, il y a encore des bombes sous le sang. Il y a des civils au sol là-bas. Ouais, ouais, la file. Je suis surpris, on n'a pas encore cherché en place. Ils vont nous voir, ils vont jeter leur. Oh merde, j'ai pas un masque. Il n'y a pas de gendarmes ou quoi sur l'île ce soir? Ouais, c'est. Et moi aujourd'hui, je veux dire. C'est chaud ça par contre. Ah, parce que si c'était un accident de la HM, la bagnole là elle aurait pas dû exploser. Ouais, non, c'est non, ça, non, c'est moi. Bon. C'est... Si c'était de l'explosive. C'est pas là que ça a explosé, c'est ici que c'est explosé. Si là ça aurait explosé, ça aurait de faire péter ce véhicule. C'est pas possible. Ok, d'accord, donc moi je pense savoir ce qui s'est passé. Un véhicule a explosé, ça. Un véhicule a explosé et puis explosé, tout ce ouais, qu'avait tout a pété. Hein. C'est, le okay, c'est d'abord le camion qui a pété. Non, je pense que le camion ça a été le dernier truc. Que celle-là non plus, je crois. Non, vu que le camion avait été encore en flamme, je pense que ça a été le dernier. Ah, mais le camion donc, il. Les gars, écartez-vous, elle va exploser là. On va faire un petit périmètre. Vérasher pour VHV, vous avez fait. Attention à vous, j'écarte le véhicule de sécu. Ouais, allez-y, allez-y. Attendez, vous voulez que je le bouge? Non, c'est bon, je vais l'écarter. Bonjour monsieur, vous avez pas d'informations sur l'explosion qui a eu? Vous approchez pas de la Yon, allez-y. Et ben, c'est la première fois que je vois autant de trucs exploser. Ouais, là, il y a eu de la casse, hein, quand même. Ah, bah, les 5 explosions, il y a combien de carcasses de voitures là? Il y en a 4. Et 4 carcasses et il y a 5 explosions. Et il y en a une qui était là. Tandis que pour gendarmerie. Il y en a une qui n'a pas encore explosé. Parce que celle-là, elle a pas encore explosé. Il y en a une qui était là parce que là. Venu pour gendarmerie, concernant explosion, place de Kavala, total de 5 explosions, 5 véhicules. Il semblerait que c'est une réaction chaîne, on n'a pas l'explosion de base. Plusieurs véhicules n'ont pas encore explosé, mais sont dans un état précaire, les pompiers sont sur place et gèrent la situation. Pour information, bureau doit être fermé jusqu'à ce que le souci soit réglé. Ok, je veux dire, monsieur. Oui, on a. Il était pas bien, J'aime bien le gendarme, il parle d'un ton blasé. Putain, mais fais chier. On va pas pouvoir prendre notre pause café avec nos donuts. Ah non, je peux déminer un peu. D'accord, pas de soucis. Y'a quelqu'un qui arrive là, je pense. Ok, et ça, je sais pas qui c'est là. C'est pompier. Civil pour gendarme, autorisation d'aller sur de Kava. T'es gendarme aussi. Pierre. Vas-y, va, ça va. Wow! Il tourne à gauche, j'ai qu'à faire une décision. Ça aurait été mignon! Ok, donc information 5, explosion 5. Moi j'aurais bien rigolé. Hein. Et dans un être très endommagé, donc vous restez à l'écart tous de la Hayon. Je prends quelques informations, je joue avec les gendarmes pur. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. La casquette. Comment allez-vous? Écoutez, jamais vu avec la casquette. Tant que je sais pas ce qui s'est passé ici, ça peut pas forcément très bien aller. Donc on a eu 5 explosions d'affilée, d'accord, une première explosion qu'on a entraîné d'autres. Apparemment ça a une réaction en chaîne au niveau du parking, il y a la Hayon qui est encore dans un sale état. Et on sait pas d'où vient cette explosion, on sait pas si c'est un si c'est accidentel ou de type attaque. Donc monsieur, les pompiers sont en train de prendre en charge les différentes victimes et on a fermé le bureau de vote le temps d'avoir plus d'informations. Parfait, je transmets ça aussi aux gens. Monsieur Neil. Oui. Pas avec Monsieur Tarial. Ce soir, il n'a pas sollicité nos services. D'accord, ça marche.
Je laisse voir. Il y a un joueur de sa casquette. Avec les casquettes. C'est il y a pas longtemps donc. Pop hop. On se calme, monsieur le sergent. Ah, ils ont un pigeon avec une casquette là, des sorts Pokémon. Je laisse retransmettre à votre. Je laisse retransmettre à votre chef que nous on seront. Un pigeon. Ils ont pas respecté. Moi on est reparti ici. Attrapez-les tous, sergent. Oui, monsieur Smith. Je peux être du gouvernement et j'avais y avoir le niveau quand même. Qui on a entendu 5 explosions d'affilée. Après je sais pas si ça. Ouais, c'était bizarre quand même. Elle est sympa ma casquette hein. D'accord. Ah oui, franchement je vous vois bien ouais. Ah, mais on peut l'acheter combien la casquette? Ça marche. Ah, je voulais avoir 5 millions parce que je l'ai porté donc ça augmentait quoi. Ah, moi j'aurais dit que ça a baissé, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais ça c'est parce que vous êtes jaloux de mon talent en fait, j'ai un succès fou. Hein. Tout est dans la casquette, non? Ça. Tout est dans le pantalon. Non, justement, là, tout est dans la casquette. Même si c'est uniquement dans le pantalon, c'est dans la casquette. Bon bah messieurs, hein, nous on va partir à partir sur Vegas hein, quand même. Monsieur, bonjour. Ouais, ça marche. Ah, madame. Bonjour. Attention, la prochaine fois il y a des places exprès pour nous. Bon, soit j'ai un courageux et on fait le voyage jusqu'à Vegas. Moi, je vais bien conduire. Avec le... Parce que j'ai peur que... Ouais. J'ai peur que on n'ait pas assez de place dans le palette avec ce que vous avez là-dedans. Et moi, ouais, ça c'est hors possible. Bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chauffeur là? Qui c'est qui va? Tout le monde qui m'entend pas faire. Tout le monde a la flemme de conduire, tu vois. C'est ça. Ils sont en train de se dire oh putain, mais Romain il a dit qu'il conduisait donc. Ouais, mais en fait, le capitaine a monté en conducteur donc moi je me suis dit pas si bien. Tout le monde qui s'est dit il faut conduire jusqu'à Vegas, ça la galère. Oula, lui par contre. Alors, lui, bah les couilles du code de la route. Faut lui rapprendre le permis de conduire, hein, là. Le théorique et tout ça, je sais pas s'il a passé. Hein. T'inquiète pas, moi je l'ai passé avec 3 grammes dans chaque bras. D'accord, 3 grammes de quoi? Pour que ce soit dans des bras, c'est bizarre. Hein, 3 grammes de d'alcool. Quoi? Dans les bras, toi t'arrives à mettre de l'alcool. Oh putain, mec. Ouais, bah quand il se balade dans le sang, hein, il termine dans les bras forcément au bout d'un moment. Merci de pas vous la prendre, s'il vous plaît. Donc, vu que je suis le chauffeur, je prends les taxes à 95% de ce qu'il y a dans le véhicule. Il laisse juste le chargeur. Déjà tu dis ça en belge alors on comprend pas trop mais... Ouais en 95%, c'est vraiment. En 95% de taxes. D'accord, tu m'en fous, j'ai rien dedans. C'est simple, on va faire un truc. Bah arrêtez-vous la gendarmerie, qu'on vous balance à la gendarmerie pour des extorsions de fonds. Là. J'allais réellement m'arrêter. Eh, t'écoutes ton capitaine, tu t'arrêtes. Mais j'allais m'arrêter, mais en fait, quand j'ai entendu que c'était une raison, bah. Une raison... J'ai cru qu'on allait se manger le mur en face. Ouais, moi aussi, j'y ai cru. Hein. Vous êtes où? On revient en voiture. Y'a quelqu'un qui a. Bon, j'ai écrit. Laissé. Laissé quoi? Un de ses chargeurs. Attends, j'ai regardé. Attends, c'est quoi? 855A1. Ah, c'est pas mieux alors. Ah bah ça c'est un bon. Voilà, moi j'ai que des traçantes alors. J'ai 12 chargeurs sur moi donc. Traçantes c'est moi, la j'ai vie. J'ai que des vieilles traçantes jaunes là. J'ai 12 traçantes, chargeurs mais en tout j'ai 600 chargeurs. Enfin non attends, qu'est-ce que je crois. Tu sais où 600 chargeurs ouais. Tu sais où t'es. 360 que j'ai. 360 balles. Alors réponds lui que... On aura pas assez de place en fait. Ouais. Bah, en place en marchandise hein, pas place en... passager. En passager, ça c'est pas le con. Romain. Qu'est-ce qu'il y a? Je nous ai vu partir dans le décor là. Mais non. Je suis un pilote. Ouais, j'ai mes outils les gars. Ne inquiétez pas. En plus, j'ai Ah oui, c'est vrai qu'on a un dépanneur les gars. Ouais, j'ai mes outils avec moi. On peut se planter quand on veut.
J'ai un pilote d'hélicoptère, un pilote de véhicule, votre catégorie. Et, ouais. Et moi j'ai un kit de soins, c'est bon les gars, je suis pompier. Moi je suis. Moi j'avais juste une spécialité comparée à vous, bah, c'est que j'avais le casque. C'est tout ce que j'avais, mon copain. Sinon j'étais. La spécialité c'était les chargeurs. Mais ouais, qu'est-ce qu'ils ont tous à nous klaxonner? Ah bon? Ouais. Ils avaient les gilets pare-balles bleus, noirs avec la tenue bleue en dessous. Merde, on aurait dû. En plus, j'ai eu de la chance parce que j'étais vraiment à 128 km/h, quoi. En fait, c'est que je pense que t'étais un tout petit peu sur le. Déporté sur l'envoi. Et qu'ils arrêtent de se plaindre, hein. Je suis désolé, là, mais. C'est vrai que moi, comme... le premier accident que j'ai eu, c'était avec les pompiers parce qu'ils m'ont coupé la priorité. Et le second que j'ai eu, c'est avec les gendarmes parce qu'ils m'ont coupé la priorité aussi. Après, s'ils ont des gyrophares, tu sais que la priorité s'inverse. Ah non, sauf qu'il n'y avait pas de gyrophares. Ah mais même ça, c'est très bien que tu l'as pas vu. C'est très bien que sur Altis, la priorité. On revient toujours aux autorités. Ouais, voilà, et c'est pas priorité. C'est d'abord pour Romain Escobar, donc on commence déjà. Dès qu'il envoie mon véhicule, bon, on me laisse passer. Tu le prends T'es pas un peu prétentieux là, adjudant là? Un petit peu. Tu veux que je descende pour pousser là dans le virage? Non, ça va, mais c'est pour ça. Je parie, on courait à côté, on était plus rapide quand même pour le virage. Ah, mais attendez, je peux vous larguer, moi, ça me dérange pas. Je suis accroché à mon siège. Ah si, j'ai mis la ceinture. J'ai mis la ceinture de sécurité, hein. C'est bon. Je vous largue et vous courez jusqu'à Vegas à pied, hein, derrière la voiture. On peut faire mais ça quand même. On peut le faire aussi, je reprends le volant et puis on vous attend à Vegas quand vous arriverez à pied. C'est à moi, ça attendez, y a pas un concessionnaire de voiture dans mon coin là. moi, dans le règlement, ça me dérange pas, je peux courir. C'est simple, hein. Moi, je cours jusqu'à l'aéroport. Ouais, c'est pas grave. Ah non, il y a des panneurs, il a des véhicules. M'en fous, j'ai déjà appelé Nico. C'est bon, les pompiers aussi. Wainit aussi, ils ont sorti. Au pire, j'appelle Nico. Il est déjà au courant, il arrive. Les tricheurs. N'oubliez pas de manger et de boire, hein, les gars. Ah mais Romain, t'as des magie noire. T'as de la magie noire. Hein. Je conduis comme je veux. Ouais, mais sans magie c'est mieux. Sans magie c'est mieux, ouais. C'est ça. Je ne choisis pas. Oh, ouais, messieurs, vous me permettez, je mets ma bite à travers la fenêtre et je vais pisser. Hein. Pardon. je vous signale, c'est moi qui est derrière, ma fenêtre est ouverte. C'est ce que j'allais dire. Fermez votre bonnet, capitaine. C'est peut-être le seul moment où vous allez voir. En règle générale, un bon agent de sécu, dans ces cas-là, dit je sens ma bouteille d'eau vide. C'est ce que j'allais dire, voilà. J'ai ma petite bouteille de Vittel, moi je vais faire ça avec ma petite bouteille de Vittel. Vous regardez pas, les gars. Regardez pas, hein. Ouais, je suis choqué pour toi. Zizi, hein. C'est Marcel, fais gaffe. Hein. Marcel, fais gaffe et regarde à tout ça. T'en fous. On a pris les photos, on a des dossiers. On s'arrête pas à des panneurs, tiens. Il y aura abonné, il y a personne. Non, j'aurais bien regardé, ils avaient quoi comme véhicule. Je leur aurais vendu un véhicule. C'était là. Je crois que je veux une voiture. La prochaine fois, au lieu de faire par la fenêtre quand on voit votre sexe, vous ferez dans une bouteille d'eau. D'accord. Ça, c'est pas con. Le mieux, c'est pas. C'est pas... Parce que ça fait quand même. Ça fait quand même bizarre. Je veux pas pour pisser. Attendez, voir la personne écrasée. Hein? Bah, il est parti. Ah, une personne écrasée. Bon, vas-y. Faut la mettre le clignotant. Monsieur, c'est la gendarme qui quitte pas. Il y a toujours à toucher ce clignotant là. J'ai pas compris. Oh, prise d'otage sur la 30. Et sur la langue? Bah, non. Mais attends. Et moi, j'ai pas entendu. Moi, je l'entends. Là, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et Romain, mais t'arrêtes pas au plein milieu de l'autoroute comme ça, lui, mais il est ouf. Bah, je suis pas un peu au milieu de l'autoroute. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Messieurs, ici la gendarmerie. Comme ça, je vais savoir combien il y a d'otages actuellement à la surzone. Ah non, j'ai la 30 en longue. Sur les véhicules, c'est bon. Romain Escobar me fait peur quand même. Oui, mais c'est moi le producteur, c'est moi qui gère, hein, monsieur. Mais justement. Arrêtez de vous plaindre sur ma conduite, justement. Une prise d'otage là. Dis cheese, les gars. Cheese. Ah, pas flashé. On n'a pas été flashé, mince. Non, mais même justement, quand je... chaque fois que je vois ce flash-là... Voilà, magie noire.
Hey, mais la magie noire qu'il a, c'est un truc de ouf. Genre le véhicule, il l'a pilé. Mais arrêtez de vous plaindre, monsieur. Au moins, moi je conduis. Je nous ai vu, on s'est arrêté net. Et on est reparti direct à 130 km/h sans passer par la case 50. Ça, nous surtout va bien. Non, au calme, on a la voiture la plus puissante quoi. Même les flics, on les fait. Allez, avec le sub. Avec le sub. Tiens, regarde comment t'as le véhicule le plus puissant. Ah, mais attends, mais moi je roule sur les limitations de vitesse hein, là. Bah tu oui. Tu passes à l'armurerie civile pour acheter un viseur ou un truc comme ça? Non, c'est bon. Non. Ah, quoique. Oui, bon. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut à la maison, j'ai rien dit. Donc il y en a faim. Moi aussi, j'ai ce qu'il faut chez moi. Non, c'est bon. Le pire, c'est quelqu'un va manger ou à boire, j'ai 20 bouteilles d'eau et 20 bacon. Ouais, j'ai la même chose. Et j'ai 10 Red Bull. Ah ouais, je peux pas prendre autant parce que. J'en ai 4 et 5 pommes, un jerrycan. Oh, il se passe quoi? Messieurs, s'il vous plaît. Je vais juste faire un petit contrôle de rien du tout. Romain Escobar, un petit contrôle de rien du tout. Un petit contrôle de rien du tout alors que juste avant il parlait plus de taille. Ah putain, il me tire. Mais comment ils discutent en fait, c'est parce que je comprends. Un petit contrôle de rien du tout. Ah ça va, là je peux faire du en limitation vu que les flics ils sont en pleine. Pas les gendarmes, c'est. Oh, je suis déjà en train d'appeler les gendarmes. Et là, t'as casé Anthony Laurent dans la même voiture qui arrive et qui te. Une plage. Là, tu vas prendre cher. On voit plus pendant 2 jours, je pense. Mise à pied de 2 jours. Ça t'apprendra à conduire. D'ailleurs, c'est qui a dit de mettre les mains sur la tête à Anthony Laurent hier, les gars? Sérieux, il est venu hier? Oui. Ah bon, bah, qui lui a dit de mettre les mains sur la tête, les gars, hier? Je pense que c'est moi, mais je pense que c'était de toute façon voulu parce qu'il voulait passer incognito. Donc. Non, c'était, il était en... Non, il était en tenue de gendarme. Ah, il était en... Ah non, bah c'est pas moi, là. Non, moi, c'est l'autre qui était en tenue de gendarme, mais... Parce qu'à un moment, ils sont arrivés à deux avec... Il est arrivé à deux avec je sais pas qui. Je me suis rayé, là. Et ils étaient en tigre, en plus. Oui. Ah, mais il était avec Kazé. Ah, je les ai vus arriver, j'étais là-haut, ouais. Et c'est vachement beau, hein, là. Mettre les mains sur la tête, en fait. Il y a quelqu'un qui a dit mettre sur la tête. Pas qui, mais quelqu'un qui a dû mettre les mains sur la tête en Pony Laurent et à caser, genre tout va bien. Ah non, en plus les tenues là c'était clair quand même. Non, mais surtout que la consigne sur Vegas, on ne fouille pas les gendarmes. Bah ouais, bien sûr aussi, on les fouille. Non, je déconne. On aurait pu lui envoyer leur sur. Je vous ai vu rentrer dans le mur là, au calme. Ouais, moi oui, aussi. Non, mais arrêtez de vous plaindre, monsieur. Je vous ai dit, je suis le seul courageux à bien vouloir prendre le volant jusqu'à Vegas. Bon, maintenant. Mais moi, il n'y a pas de problème. C'est que je suis pas courageux, mais c'est que j'ai pas envie de faire un stuff. Et devoir repayer ce que j'ai pas sur moi. Bah, c'est moi qui repaye. 174 000 euros. Ça, c'est. Moi, je peux pas. Je vais pas prendre le risque. Oula. Ah, là, c'est pas de la magie noire. Ça, c'est pas de la magie noire, c'est réellement Romain qui sait conduire. Alors, 1500 par panneau, 2 panneaux, ça fait 3000. Ouais, c'est bon. Bah, 3000 euros d'impôts en plus. Et ben merci, Romain. Non, mais oh. Non, mais c'est pas grave, je vais juste demander à Steph qui répare le véhicule et puis moi je vais. Mais non, mais c'était Nicolas. Fumé, les gars. Un panneau c'est 1,5 million. Hein. Ah, quand même. Je comprends rien avec les autres qui parlent en même temps, capitaine. Ouais, je pense que c'était Nico. Je pense que c'était Nico. Hein. Et il parlait d'un M900, il parlait pas du MH9. Et non, de Sofia. On est d'accord. On est d'accord. J'ai entendu Sofia, mais j'ai pas entendu le M900. Mais... Toi, tu connais pas le raccourci, toi. Ouais, non, mais. Non, par où, il préfère prendre le virage là-bas. J'adore ce virage parce que chaque fois que je vais là, ben, j'ai de la magie. Hein. On peut passer chez moi. En fait, ça se voit. Non, c'est pas Nico. C'est chez toi. Vas-y, au lieu de prendre le virage, va tout droit vers la Blue Diamond. Pourquoi? Ah, moi j'ai une maison en face du garage. On va chez lui, capitaine, ou pas? Comme ça on peut déjà faire il va poser ses. Mets un point carte. Maison. T'inquiète, je pose. Je mets un point carte noire. Noir invisible à droite. Noir invisible à droite. Ouais, à côté de TP15. Vous avez vu, capitaine, maintenant les points cartes ils sont moins visibles qu'avant. Ouais. J'ai travaillé longtemps ici, moi. Une petite maison, là, la petite bicoque à droite, hop. On s'en fout, mais bon, je le dis quand même. Voilà. Si vous décollez avec, vous serez abattu. Entendu, abattu et hélicoptère. Où c'est, où que ça chauffe, là? Sofia. Ouais, je sais, je te casse.
Sophia. C'est en secret les flics romains, donc fais gaffe. C'est rien. Oh, c'est pas grave. Ouais. Justement, je vais faire de la frappe. Dans les maisons au fond à droite là. Ouais, je sais bien, c'est celle-ci là. Ouais. Mais quand je disais que la dernière fois je me suis fait niquer mon véhicule, les mecs ils sont venus choper mon véhicule dans la cour là. D'accord. L'air ou pas? Aucun hélicoptère ne décolle, sinon il sera abattu. Aucun. Ça tombe, ils ont pris un écho. Si je prends pas les armes pour les poser chez moi, ça va être problématique. Ça tombe, ils ont pris un écho en otage. D'accord. Non, mais c'est la voix de tout à l'heure du 900, c'était pas Nico en fait, je pense pas. Non, c'est pas Nico. C'est bon, c'est posé les trucs ou pas? Non, non, je suis en train de prendre. Messieurs, vous atterrissez là. Ok, je retourne à pièce 2. Hop, j'en ai une partie, je viens de rechercher les munitions après. Voilà. Ah, vous êtes trop proche! Ah putain! Et relou! Romain! Ah, c'est une blague! Oh, mais non, mais. Bah, pas à 50 bornes! Bon, là, on se barre, nous. Nain qui répond en écho. Ouais, je lui dis quoi? On dépose les trucs, on dépose la marchandise et puis on arrive. On prend du temps! Allez-y, Serge. Ah, c'est pas de ma faute, hein. Hop, c'est bon pour moi. Hop, je range ça et c'est parfait. La marchandise. Ah, il va me demander quoi, c'est quoi comme marchandise? Ouais, ça fait très, très trafiquant. C'est ça. C'est parfait. En même temps, quand tu. Ah, il n'y a plus que les miennes en fait. J'ai rien plus. Je l'ai déposé chez moi aussi, vraiment. C'est chez toi. Oh, c'est ce camion. Capitaine, on veut casser ce camion ou pas? Oui, on peut y aller. Tant qu'à faire. Au pire, on dépose tout le monde à Vegas et puis on y va à deux, quoi. Ouais, c'est mieux d'y aller tous ensemble, vu tout ce qui se passe. Hein. Ouais, c'est vrai. Route, hein. Ouais, là, il y a une route. Ouais, non, là c'est pas une route. Il y a donc là c'en est pas une, hein, mais. On évite le fraude. Mais oui, mais enfin je sais pas. Moi la fois passée, je m'étais fait arrêter. Ils ont dit que c'était une route définie, mais pas bien tracée. Mais je m'en fous. S'il y a des couillons qui se sont fait chier à faire des routes, c'est pour qu'on y roule dessus. Ah ouais, ouais, Camille. Bah oui, ça me paraît logique. Faut avoir un peu de respect pour les couillons quand même. Bah oui. Elle était bien sortie au bon moment. Tu sais à qui tu m'as fait penser là, Steph? Non. T'as fait exactement le même type de phrase que aimer. Alors, je sais pas si c'est un compliment ou pas, mais tu l'as fait. Enfin, je le prends comme un compliment. C'est vrai que ouais, ça va être bien d'habiller. C'est vrai qu'aimer il beau humour, il est bien. Ouais, je l'aime bien. Mais il est direct, quoi. C'est ça déglingue. Ça d'être mort. C'est, ils ont toujours la chat comme ça. Ah, bah, j'irai pas. Il est bien sa place en barman, en tout cas, c'est cool. Ouais, en plus, c'est sur Sofia là, apparemment. Donc... S'il me rachète comme ça, ça me va. On peut passer au PG, moi j'ai besoin d'un chargeur s'il vous plaît. Ah oui, non, mais pas à Sophia. Ah, mais lui qui a besoin d'un chargeur. Ah, Sophia, t'as quoi comme arme? Non, je déconne. Mais non, c'est une blague. Mais non. C'était de l'humour. Ouais, désolé. L'humour noir, c'est de la merde. T'es... Vous pouvez pas comprendre, désolé. L'humour noir, on a pas assez de skills. Tu veux qu'on reparte ce soir avec deux trous de balles? C'est ça? Pardon? Les gars, non, non, c'est pas un chargeur dans mon véhicule, donc le premier qui touche. C'est quoi que t'as mis dedans que le chou? J'avais pas dit que je prenais 90%, 95%. Ah, on a dit on dépose la gendarmerie ici. On avait surtout dit qu'on allait être balancé pour extorsion si tu le faisais, mais bon. Bah, c'est quand même moi le pilote, et il me faut de l'argent. Hein. Non, j'ai quoi. Bon. C'était. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était là. Ok, tu connais ici où j'habite. Enfin, t'auras le droit de faire le plein gratuitement si tu veux. Ah, FDS, ok. C'est ici, non? Bonne soirée, Neko. Tu fais quel droit? C'est Neko. A plus, Neko.
Et je suis là, j'ai plus d'une place quoi. J'ai mon casque de pilote. Capitaine, on est un peu chez nous. Vous voulez qu'on sorte là ou pas? Non. Non, tant qu'il n'y a pas de risque. C'est bon. Il y a un adjudant qui est dehors. On a mis notre appât dehors. Quelqu'un prêt à prendre la place du conducteur hein. C'est bien quand même ce béret. Regardez, ils se font dans le décor. À qui, le mien? Ouais. Tu dis que là ils se font dans le décor encore? Oh, mais enfin, moi, quand vous êtes dans le sable. Je dirais en beige, il passerait mieux ton couleur. Moi je trouve que j'aurais le droit, mais bon, on avait le droit donc c'est pas grave, hein, vu que c'est l'uniforme du truc, mais vraiment il serait magnifique avec un gilet pare-balles beige. J'aimerais. Tout l'équipement du capitaine. Et que l'équipement du capitaine. Mais là, mais t'es même pas cramé parce qu'on le voit plus en fait. Le haut, on verra plus que tes jambes. Si on a mis un code couleur de tenue, c'est que c'est réglementé. Ah oui, non, bah oui. Ah bah, non, c'est pas, mais on discute. Laissez les réveiller, capitaine, ça leur fait du bien. Mmh. Non, mais parce que des personnes coquettes sur la Vegas, il y en a déjà eu, hein. Oui, non, mais... Et puis vas-y, puis oh là là. Vampire Castro. Il ne disait personne. Le mec, il dit ah non, oh, juste personne. Là, je déconne. Après, techniquement, il faut... Bon, Romain, faut suivre les routes sur le lac de sel, d'accord? Ok. Oui, comment je rentre à Vegas? Ah oui, c'est par là. Ouais, mais là, il n'y a plus de route sur le lac de sel. Attends, il n'y a plus... Attends, on va... Oh, c'est de magie noire. Ouais. Magie noire. Oh la vache. On est d'accord, hein? Ah ouais, c'est plus côte là. Ouais, je descends. Allez, descends. J'étais pro... Je vais descendre. Tout le temps. Pourquoi il y a si vite? Ah, je descends de mauvais côté, c'est pas de chance. Ah! C'est moi qui est où, mais. C'est pas gentil. Ah ouais, t'inquiète, je ferme pas tout de suite, hein. Bah non, sinon t'aurais fermé sur la tête du capitaine, ça craint quand même. Oh, t'es rigolo. Ouais, bon, je sais pas si c'est rigolo. Bonjour. C'est Neko qui m'a autorisé à rentrer. Pas de problème. Pour attendre le peintre. Pour un hélico. Romain, c'est pour toi le civil, c'est pour de la peinture. Déjà, c'est pas pour Romain, c'est pour Marcel. Ou Marcel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, c'est ça. Je vous laisse, monsieur, là. Ouais, bien sûr. Attendez, par contre, faut que je retire. Moi, je vais ranger le palette. Hein. Ok, c'est bien pris. Il est un peu long.
avec le Valstat, je te fais un atterrissage crème. Là, je suis en train de taffer l'atterrissage sans Valstat. De plus en plus propre. C'est moi qui bouge en hélico pour le pas. Sur simulateur, j'ai encore trop de pourcentage de raté pour risquer ici. En simulateur, j'ai pour 10 atterrissages, mon hélico est abîmé une fois sur 10. Ça va? Ça va tant que c'est pas explosé 5 fois sur 10. Ah non, tu poses sur le truc là, je sais pas si t'es au courant. Le problème c'est la gestion des vents quand t'es en train de te poser pour te poser dans un espace restreint. En pleine campagne et tout, y a pas de soucis. Mais ça et puis les phases d'approche aussi pour le lac de sel parce que c'est quelque chose qui est très plat. La phase d'approche commence à gérer, ça y a plus de soucis. La plupart du temps. J'arrive sur Vegas, même maintenant pour aller sur la cour, j'arrive à venir jusque là. C'est dans la phase d'atterrissage. Si tout se passe bien, tout à l'heure que j'ai sorti le palette, c'est bon. Je l'ai posé sans le Volstat. Ouais. Mais des fois, ça veut pas. T'as l'impression qu'il y a des vents un peu plus. Ouais, pareil, voilà, et puis. Des fois, pareil, si on a les yeux qui piquent, il faut pas prendre de risque. Parce que dans un espace beaucoup plus restreint, hein, pour vous dire, du mur là jusqu'au lampadaire là-bas. Et qui revient à l'autre bout du bâtiment pour dormir. Donc là, ça fait une clôture de d'à peu près. Enfin, ça rentre entre quatre murs, quoi. C'est pas très très grand. Donc je m'entraîne à me poser dans un espace confiné comme ça. Et puis des fois, le vent me dit non, tu vas voler de côté, quoi. C'est il veut pas que je me pose bien droit. Alors que quand j'étais en altitude, j'étais déjà bien droit. Hein. Je descendais bien droit et arrivé pas très loin du sol, ça me décale. Aucune raison à ça, mais ça me décale quand même. Ouais, faut s'entraîner quoi. Bon, y a pas d'entreprise qui tourne, y a rien. Purée. Faut que je voie avec les yeux. Ah ouais, d'accord. Comme ça, sur la. Non, mais c'était à la radio ça. Hein. Ah d'accord, c'était la radio. Bah faut qu'il voit avec. Okay. Ah ouais. Sur la 30, tranquille. Ah, monsieur les dieux, j'ai dû me faire prendre et puis je fais porter plainte. J'ai une question, Captain. Oui. Changer de type de carte parce que là elle est en communication directe et je voudrais la mettre en. Romain, tu peux lui mettre derrière un peu plus loin que le H, s'il te plaît. J'ai pas compris. Tu veux quoi? Carte là elle est en communication directe avec ton serveur. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux lui mettre derrière. Ah, je t'ai partagé. Et en fait, je voudrais la mettre qu'avec vous. Donc c'est mieux pour le décollage. La carte. Ah, bah ça, je sais pas. Ta carte? Là, elle est en communication directe avec toi. Avec toute l'île. C'est-à-dire que si je pose un point, c'est toute l'île va savoir que j'ai posé un point s'ils sont en communication directe. Mais c'est pas normal, t'es dans notre groupe. Affirmatif, mais c'est qu'on peut le changer en fait, ça. Ah, on peut le changer. Oui, et je sais plus les muscles, lesquels muscles utiliser. Oh, tu trouveras ça tranquillement. Hein. Tranquillement. Ouais. Tu cherches tranquille, c'est le soir avant de te coucher, quoi. Ouais, ça sent mais non, je sais pas. Je sais ça pas, de base, j'ai jamais, fait, j'ai jamais modifié. Je savais pas que ma carte savait faire ça. Ouais. Bah non. Bah, je vais tout faire pour être là à la réunion de samedi à 18h. Mm-hmm. Comment ça se passe à l'aéroport vers ce store là un samedi? C'est très très des grandes files d'attente ou. Non, pas forcément. Non, le samedi c'est plus après. Il y a des places libres. Oui, en règle générale, oui. Sur les vols, ouais. Ça serait vraiment exceptionnel. C'est possible, samedi, ça... je vais tout faire pour, même si c'est pour dans mes habitudes, mais. Je pense que je viendrai uniquement pour la réunion, par contre. Ouais, mais pas de souci. Boulot. C'est sympa ton petit picou que t'as dans ta poche là. Pardon? C'est quoi comme arme que t'as dans la poche? Enfin non. Le holster. Ah, c'est mon Kimber. Je l'ai vu dans la voiture tout à l'heure, il a l'air sympa quoi. Acheté où?
Ah. On peut pas te le dire, c'est un secret. Non, je déconne. Non, non, ça fait partie du kit, entre guillemets, que tu peux, que ouais, tu peux demander une fois soldat. Ouais, je suis en vigile, ouais. Maxime, t'es encore là? Ah, si, ouais. Au revoir, au revoir. Négatif, faut que je cherche mon fourgon caisse et aller chercher de la boisson, pourquoi? Je peux sortir mon fourgon et aller chercher de la boisson, hein, pas de problème. Non, non, laisse. A plus, Romain. A plus, Ro. C'est Romain. Romain? Ouais, je sais pas, il est avec moi, il bouge pas. En étant soldat? De quoi? Non. T'es beau, toi. Non. Il va falloir attendre un peu. D'accord. T'as eu combien à tes tests de tir? J'ai eu 18 sur 20, mais j'avais... 18 sur 20, mais quoi? Attends, attends. Pas d'excuses. Non, mais attends, je t'explique. 18 sur 20, sauf que je... Comme je parlais radio en même temps, et que j'ai trouvé que mon muscle... Mon verrumage... faisait un problème de coordination cerveau avec un autre de mes muscles de type souris, et bah ça m'a posé problème au niveau des tirs. Essaye voir sur ta carte point virgule. Ah, c'est vite pour tour de contrôle. Ah, c'est nickel, c'était ça. J'en remarquerai, écoute. On a possibilité de décoller au niveau de Pergos ou pas? Contrôle aérien. Merci Johan pour l'info. Ah, c'est bon. C'était ça. Bon, par contre, moi, messieurs, s'il n'y a rien, de toute façon, j'ai l'habitude d'aller me coucher à 22h30. Bah, là, je crois qu'il ne va pas y avoir grand chose. Hein. Non. Bah, quand les entreprises ne tournent pas, on n'a rien à foutre, quoi. Bah, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après, une fois qu'on aura plus d'hommes, etc., ça posera pas de problème, quoi. Alors, ces heures-ci, normalement, ça devrait tourner, quoi. Bah, c'est surtout qu'il faut les pubs pour faire venir les gens ici travailler. Tant que Romain n'a pas obtenu sa licence presse pour faire les pubs, pour faire venir. Ça l'a pas fait ou. Bah, non, ça devrait se faire. Ça devrait se faire, mais c'est que la personne qui s'occupe de ça est un peu retardataire, on va dire. D'accord. Ouais, faut ça on va dire, dire ça comme ça, ouais. On va dire ça comme ça, pour pas être méchant avec cette personne. Non, non, mais le but n'est pas avec personne. Je dois faire plein de choses à la fois et les zappe un peu quelques informations. Ok, bah ça va rentrer dans l'ordre à un moment ou un autre. Oui, c'est oui, le oui. principal, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ce sera pratique, pratique d'avoir une agence de presse, entre guillemets, juste là, quoi. Ça serait parfait, quoi. C'est le sub qui revient. Bar, quoi. Mm. Le bar normalement moi je enfin moi aimer moi pardon kiffer quoi hein, faire pouvoir faire notre pub. Moi je vais faire une fin de service donc je vais ranger le sub de toute façon il va être mon heure là. Après, il va être la mienne aussi du coup hein, parce que je suis fatigué. Ah bah du coup messieurs et là notre aussi d'accord. Non, mais y a pas de soucis. Innocent demande autorisation de décoller de. C'est bon, il n'y a plus rien dans le Vegas. Sud. Autorisation accordée, bon voilà. Merci. C'est quoi c'est... Ouais, je vérifie qu'il est vide. Putain, je vous dis tout de suite bonne soirée, hein. C'est plus convivial qu'à la radio. Ah, pas de soucis, bonne soirée. Encore dire allez, bonne soirée à vous deux là-bas. Puis à demain. À demain. Bon, demain soir, on risque pas de s'emmerder, on est censé avoir un contrat, donc on verra bien. Demain soir, on est quoi demain soir? Vendredi. Oh, putain, plus je serai là que vers 21h30. Ah bah. De toute façon, on verra où. On verra où je me réveille. Si je me réveille sur Kavala, ou sur ici, ou sur Antoine. Ok. Bon, allez, hop, tu sais. Pas mal à la porte, hein. Bonne nuit. Ouais. Je vais même pas te fermer la porte.
Allez, à plus tard, les... Les gars. Bonne soirée, capitaine. À bientôt. Bonne nuit. À bientôt. Alors, bonne nuit à tous, hein, bonne fin de soirée. Bon, ce soir c'était un peu mou, mais bon, ça peut pas toujours être bien. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.